Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 179 de Stage One, et nous allons jouer aujourd'hui à Ryzen 2 Darkwater. Bon, on n'a pas fait Ryzen 1, toujours, j'aime bien faire les deux avant de faire les 1. De toute façon, au pire, derrière, vous les retrouvez dans l'ordre. On fera le 1 plus tard, donc pour l'instant, c'est Ryzen 2. Donc c'est une sorte de petit... Je ne vais pas vous le dire. Je sais quel type de jeu c'est. Et vous allez le découvrir un peu du style jeu de rôle. Alors, jeu de rôle, c'est plutôt du RPG, en fait, c'est spécial, vous avez... c'est classique et spécial en même temps. Donc, je vous laisse l'introduction pour l'instant. Et on va voir ça ensemble. Donc voilà, c'est à nous. Les dialogues aura, il n'y en a pas. Donc en fait, ils se parlent en fait en faisant des gestes ou où il y aura du texte. Mais il n'y aura jamais aucune parole. Donc voilà, c'est comme je disais, du style un peu RPG. Vous avez tout un tas d'objets, de l'argent. Vous chopez de l'équipement. Hop. Oui, je prends le pognon. Donc ça, c'était de l'or. On va avoir des ennemis. On va se battre un peu comme ça en troisième personne. Et alors, je regarde un peu mon équipement. Ouais, voilà. Moi, je me disais, j'avais pris l'épée en fait, je savais pas où comment la mettre. Donc voilà, je l'ai mis. Donc dehors, il pleut sa race. Alors, je sais pas ce qu'ils ont dans la manie de faire des jeux où il pleut tout le temps. Chaque jeu aurait les, souvent des jeux que je teste qui sont à peu près récents. Au début, il pleut toujours. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Franchement, alors c'est ce genre de truc, la pluie qui vous bouffe les ressources, mais incroyable. Incroyablement. Bouffeur de ressources. Allez, donc on va monter par là. Et on va rejoindre le petit mec là-haut. Hop, il y a un petit mec. Voilà. Et on lui parle. Alors évidemment, il devrait pas y avoir de dialogue. Voilà, il voit le bateau arriver. Donc je décris, parce qu'en fait, bon, il n'y a rien à écouter. Donc je suis là même pendant cette cinématique. Ah, oh. Il regarde dans sa longue vue. Quand même calme, hein. Des gens qui parlent pas, ça fait quand même spécial. Je vous dis, quand vous jouez, dites bon, bah ouais, ils parlent pas. Tiens, regardez, une grosse. Comment ça s'appelle ce bestiole dans l'eau, je sais plus. C'est un nom, je crois qu'ils vont le dire plus tard. C'est. J'essaie de me souvenir, bon, je sais plus. Des bestioles qu'il y a dans les fonds marins, là, qui avec ses tentacules. Ça, voilà, ça prend les bateaux. Hop là, les bateaux, il n'y a plus de bateaux, terminé, on n'en parle plus. Allez.
Voilà, plus le bateau. Comment ça s'appelle? Je sais plus. Voilà, comme je vous disais, les dialogues, hein, voilà. Je laisse passer, vous voyez qu'entre chaque phrase de dialogue, il y a la caméra qui change. Voilà, hop, on est reparti. On descend. Donc on va plutôt descendre cette fois-ci en bas. Donc c'est-à-dire là. Voilà. Et on va. Alors lui nous parle. On lui demande en fait si on veut passer en fait. Il va nous ouvrir la porte. J'aurais peut-être pas dû lui demander tout de suite. Voilà. C'est un peu long, voilà, il nous ouvre la grille. Je vais quand même récupérer ce que je peux récupérer autour. Je ne sais pas ce qu'il y a autour. Est-ce qu'il y a des trucs avec lesquels je peux interagir, je sais pas. Des objets, une torche, je sais rien, un tonneau. Non, apparemment il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre. Non, bah lui il nous redit la même chose. Oui. Ok. Voilà, donc c'est reparti. On sort dehors. Alors on va essayer d'aller sur la plage. Alors la plage, à gauche ou à droite, on va prendre à gauche pour l'instant. On va voir, il y a un bateau là-bas, ça a l'air sympa. Là c'est fermé. Hop. Alors on va aller parler au bonhomme là-haut qui est devant le bateau. Peut-être que c'est lui qu'il fallait avoir. Je ne sais pas. Oui, salutations. Alors dialogue, je vous laisse le temps de lire le dialogue. De toute façon on peut pas le passer donc. J'ai pas tellement le choix, j'aurais pu le couper. Hein. Je pourrais le couper au montage, mais non. C'est intéressant, voilà, super, bien, cool. Alors. Non, c'est... Et on va. D'accord. Il est vraiment pas beau. Hein. Bon, donc du coup, il veut pas de nous. On va aller plutôt sur l'autre côté. Du coup, bah, forcément, je me suis trompé. Hein. À une chance sur deux, j'aurais pas dû aller à gauche. Allez, on va aller de l'autre côté de l'escalier. Ça ressemblait plus à une plage, mais bon, j'avais envie de découvrir un petit peu quand même. Voilà. Ça y est, on est là. Et, ah bah c'est bon. J'ai découvert la plage. Découverte de la plage. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, donc j'imagine qu'il va falloir l'aider. Alors, ils viennent de me donner la touche du milieu en fait. Je savais pas du tout comment dégainer mon arme, mais ça doit du coup maintenant je sais. On va aller taper de la bestiole parce que sinon on va pas s'en sortir la pauvre. Allez, bestiole. Cassez-vous, cassez-vous. Là, ta vie, leur vie elle descend pas tellement. Hein. Pour les petites bestioles du début de jeu, hein, on va en mettre des coups pour qu'elles crèvent. Voilà. Voilà, dialogue encore avec la femme. Génial. Elle est très mignonne cette dame. Je la trouve très mignonne. Allez. Elle est très propre d'ailleurs, parce que quand même. Elle vient de se faire traîner dans le sable, elle vient de se battre et tout, mais elle est toute immaculée. Voilà, cherchez le mot. Allez, dialogue. Je vous laisse. Je vous laisse avec le son. Ça m'évitera de parler.
On pourrait s'ennuyer tellement c'est tout lent. Bah, c'est tout calme et tout. Enfin, limite, faut jouer de la musique. Donc là, nous revoilà à notre point de départ. La caisse, j'imagine que bah du coup, comme j'ai ramassé le truc qu'il y avait dedans, elle est vide. Voilà, ben on ressort. C'est super. Voilà. On va aller voir le paysage depuis là-haut. Maintenant, ça doit être un peu plus joli que dans la nuit. Ouais, ça crame toujours, hein. Vous remarquez que nous sur l'île il y a toujours des trucs qui crament. Je sais pas pourquoi. Voilà. Ça crame. Depuis hier ça crame. Toute la nuit ça cramait, ça crame toujours. C'est beau. Ah, il y a des gens en bas. Je vais aller voir en bas. Aller voir ce qui se passe. Moi j'ai essayé de sauter dans les escaliers mais c'est pas tellement géré. Voilà. Voilà. Il saute un peu comme un handicapé. Sans me moquer des handicapés, évidemment. Alors. Ouais. Dialogue. Encore un dialogue. Vas-y. On va se faire passer pour un membre de l'équipage. On va aller dans le truc. Ouais. Continuez. Continue donc. C'est long. Ah vraiment, j'aurais dû mettre une musique de fond. Franchement là. Ouh. Voilà, c'est super. Hop. Allez, encore un dialogue. C'est limite, mais tiens, celui-là, le mec, il est vachement plus flou que les autres. Regardez son équipement, tout ça, par rapport au mec en premier plan. Il est vachement plus flou. On dirait limite qu'il se regarde dans un miroir, quoi. Pour limiter ça, c'est le même équipement mais en plus flou. Voilà. Allez. Pourquoi ça change de plan à chaque fois que le dialogue change pour faut dire attention. C'est pas la même personne qui parle. Attention. Oh, il a eu un mouvement très brusque. Oui. La la la. En fait, je sais pas tellement quoi dire. Alors, les graphismes. Bon, bah, l'ensemble, ça part. Les graphismes sont plutôt pas mal quand même, hein, pour un jeu comme ça. Donc, faut être amateur du genre. Hein. Moi, personnellement, voilà, bon, je vous fais une critique assez mauvaise. J'en parle de manière assez désinvolte. Parce qu'en fait, c'est pas le genre de jeu que j'apprécie le plus. Il n'y a pas tellement d'action. On va dire, c'est beaucoup. Vous avez beaucoup du jeu de rôle, c'est beaucoup de choses écrites, voilà. Donc là, il faut s'imaginer les scènes et tout, et puisqu'il parle pas, vu que c'est écrit. Donc voilà, c'est pour garder un peu cet univers-là. Alors moi, j'y aime pas. Mais mon avis ne compte pas tellement. Alors, je voulais vous faire découvrir en tous les cas Ryzen. Enfin, j'essaye de faire Ryzen le premier. J'imagine que ça doit être dans le même genre, voire peut-être pire, sachant que c'était le premier. Ouais, voilà. Oui. Est-ce que je peux faire des trucs ici? Ouais, je sais pas. Peut-être. Bibliothèque. Ah tiens, là je peux prendre le pinard. Normalement. C'est de l'alcool, ça, non? Je peux pas le prendre? Ah, il me semblait que je pouvais, mais bon, c'est bizarre. J'avais la même bouteille sur tout à l'heure. Hop. Cette fois-ci, on va descendre à gauche. On va changer. Tiens, bah, la porte là-bas, elle est ouverte. On va jeter un coup d'œil. D'ailleurs, il y a un mec. Il y a un mec devant. Oh, mais il est rouge. Il est rouge, ce mec. Oh, tiens, un rat aussi, il est rouge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, on peut attaquer le mec, c'est ça? Je pense. On va essayer après d'attaquer le mec. Tiens, je récupère tout ce que je peux. Des trucs, je sais pas partout. Tiens, là, il y a des coupes. Hop. Hop. C'est pour boire le pinard, ça. Ça, c'est pour boire le pinard. Ils sont pas du tout alcooliques. Hein. Hop là. Bon, ça, c'est verrouillé. Je ne peux pas. D'accord. Donc, je suis naze, mais je ne peux rien faire de mieux, en fait. C'est très nul.
Ah d'accord, donc lui m'attaque, d'accord. Donc en fait, oui, c'était une sorte d'ennemi, puisqu'il est, il m'attaque. D'ailleurs, ma vie n'est pas à son... à son meilleur niveau, je crois. Hein. Oh là là. Il va me déchirer s'il continue. Voilà, ça va. Là, il part de temps en temps. Ah, ça y est, il m'a mis un coup. Ils mettent pas des coups souvent. Allez, 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 allez. Crève, 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 crève. Ouais, ils crèvent pas vraiment, voilà, ils sont juste fatigués. Ouais, il veut pas crever. Non, parce que c'est quand même normalement des mecs de mon... voilà. De mon équipe. Je regarde si j'avais de nouveaux équipements. Mais apparemment, j'ai rien. Ouais. C'était les machins de vie, ça. C'est ce que j'ai récupéré dans la caisse, ça permet de me redonner de la vie, vous voyez en bas à droite, j'ai remonté ma vie. Et il me semblait que c'est pas la même, enfin c'est différent de l'inventaire. Alors, on va aller voir notre mec là-haut. Notre mec. Voilà, allez. Et si on lui tapait sur la tronche lui? Ah, on va lui taper sur la tronche. Bon, là, je lui parle, et après on lui tape sur la tronche. On va voir s'il se défend aussi. L'autre il m'a attaqué alors que je l'ai pas. Je sais pas. Je lui avais rien fait pourtant. Il devait pas m'aimer. Je sais pas. Allez. Je sors mon épée. Si je peux. Voilà. Et je lui fracasse la tronche. Et. Je sais pas par contre si je vais y arriver. Alors là il bouge pas. Il a dû bugger. Enlève la moitié de sa vie. Ah ça y est, il commence à se défendre. Oh merde, il y a les deux autres qui viennent. Oh non, ça c'est pas du jeu ça par contre. Oh non, j'étais parti pour lui défoncer sa tronche. Il avait presque plus de vie, les autres m'attaquent. Ah puis mais ils font pas semblant de m'attaquer. Hein. Ouais, je crois bien que je vais peut-être arrêter parce que lui il a encore plus de vie on dirait que l'autre. Je crois que je vais mourir. Si je continue, je vais mourir. Comment je fais pour m'arrêter? Je peux pas m'enfuir. Non, non, me tuez pas, non. Ah, ils sont arrêtés. Voilà. Hop. Ah d'accord, voilà, ils viennent de se redresser. Et ils ont totalement oublié, donc par contre je viens de perdre quasiment toute ma vie. C'est super. Est-ce que toi tu veux me parler, toi? Ta longue vue, non? Par contre je sais pas du tout où je dois aller du coup. Hop. Je prends ma vie. Et... ah bah tiens, ça va être le capitaine ça. Ah bah lui il parle. Lui au moins il est loquace, il est sympa. Aïe. On met le cap. Cap sur la prochaine destination. Allez, ça part. Y a trop de dialogue, j'aime pas ce genre de jeu. Trop de dialogue. Je laisse cette cinématique d'ailleurs, tiens. Et voilà, on est déjà arrivé, donc je vous épargne, ça nous épargne bien de faire tout le trajet. Donc on est à moitié à poil dans un bateau, on se trimballe en pantacourt, voire en short. C'est tout, voilà.
Le mec, il est en train de taper sur une caisse en bois, c'est bien. Hop, il y avait un autre mec sur ce poil à côté. Parce que là, en fait, on est une sorte d'infiltré. Et là, ouais, donc là, par rapport à l'équipage, on est rejeté, normalement. Si je me souviens, il nous dit, voilà, qu'en fait, il a fait semblant de nous virer pour qu'on puisse, justement, se barrer. Parce que nous, on est là, mais pas officiellement, quoi. Voilà. Eux, ils font le trajet, je me suis invité dedans pour, justement, faire accomplir ma mission. Voilà. Et donc, je vais pouvoir me barrer dehors. Voilà, et va te faire voir. Hop, c'est tout beau, c'est tout mignon. Allez, les paysages sont beaux. Ah bah tiens, il y a un mec là. Ah bah il me parle en plus. Voilà. Si c'est pas beau. Mais on va pas s'attarder plus loin. Je vais pas entamer la nouvelle mission, tout comme ça. Ça, on aura vu un peu le style de jeu. Le graphisme, le gameplay est carrément parce qu'en fait, voilà, c'est la façon dont c'est géré et puis il parle pas tellement. Donc voilà. Et donc il faut aimer, je maintiens, il faut aimer. Donc ce sera tout pour Horizon 2 Dark Waters. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.